La Martinique dans l'assiette, avec Carrefour. Avec Carrefour, je choisis la Martinique. Belle bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une recette à base d'épinards. Elle m'a été inspirée par ma découverte de la culture avec Georges au Gros-Morne. On cuisine ensemble des cannelloni de délicieuses pâtes fourrées aux épinards et au fromage. C'est parti! Pour réaliser cette recette, il vous faut des pâtes cannelloni, le mix aromatique spécial sauce chien, de la sauce tomate cuisinée, du sel, du poivre, de la crème liquide, de la fécule de maïs, de la crème épaisse, du fromage comté, du fromage gruyère râpé et bien sûr, des épinards frais bien de chez nous. Je commence par cuire les épinards dans une poêle chaude avec un peu d'eau. J'ajoute mon mélange aromatique, ma sauce chien quoi, et je sale légèrement. Je laisse cuire à feu doux 5 minutes environ. J'égoutte les épinards, puis je réalise ma farce. J'ajoute de la crème épaisse et du fromage comté pour encore plus de gourmandise. Laissez refroidir au réfrigérateur avant de garnir les pâtes. Je prépare maintenant la crème qui va me permettre de réaliser un gratiné sur mes cannelloni. Il vous faut de la crème liquide et de la fécule de maïs. J'ajoute du sel et du poivre. Et on mixe de nouveau. Place maintenant au garnissage des pâtes cannelloni. J'ajoute maintenant ma crème épaissie et j'ajoute généreusement du gruyère râpé. Direction le four pour 30 minutes de cuisson à 180 degrés. Voilà une recette ultra gourmande qui invite au partage. On se retrouve très très vite pour une nouvelle recette. Et d'ici là, prenez soin de vous. Retrouvez toutes nos recettes sur carrefour-martinique.com. Avec Carrefour, je choisis la Martinique.